Bonjour tout le monde, ange médium des Balkans. Nous allons continuer cette semaine avec toutes ces questions et ces réponses que nous offrent les oracles. Eh bien, nous allons continuer notre petite enquête de la semaine, à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, pour voir un petit peu, mais que s'est-il donc passé avec les Anunnaki? Est-ce que c'est eux qui ont créé ce qu'on appelle les Néphilines, ou est-ce que c'était eux-mêmes ce qu'on appelle les Néphilines dans les livres religieux? Parce que si c'est les Néphilines, ça voudrait dire que c'est le nom qu'on donne aux Anunnaki. Et puis nous allons aussi poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils sont repartis? Pourquoi est-ce que juste quelques-uns ont survécu? Et est-ce qu'il ne serait pas passé, par exemple, hein, une guerre spatiale? On ne sait jamais, avec une autre race extraterrestre qui serait venue les attaquer pour leur prendre leur or, puisqu'on sait qu'ils étaient venus pour chercher justement de l'or, hein, et peut-être même du cuivre, on ne sait jamais, et qu'ils en avaient besoin sur leur planète. Donc, nous allons poser la question déjà à savoir, est-ce que ce qu'on appelle les Néphilim, est-ce que c'est eux ou est-ce que c'était eux? Alors, on va prendre l'oracle Béline pour changer un petit peu. Je vais tourner le trépied, voilà. Et nous allons poser la question, est-ce que les Anunnaki, est-ce qu'on les a appelés les Néphilim? Est-ce que les Anunnaki, c'est ceux qu'on appelle aussi les Néphilim? Est-ce que c'est possible? Puisque c'était des êtres ailés, les Anunnaki. Et les Néphilim, on dit que c'est les enfants de Dieu, les fils de Dieu, qui se sont accouplés avec des femmes humaines et terrestres. Donc, serait-il possible, parce que comme je le dis souvent, on nous a parsemé des miettes de vérité dans des gros mensonges et on a créé les livres religieux. Et c'est vrai qu'on ne veut toujours pas nous dire la vérité et c'est pénible, donc on est obligé de la chercher nous-mêmes. Alors, est-il possible que les Anunnaki soient les Néphilim, voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est la même race et est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce que c'est possible? Ici, nous avons la méchanceté, donc c'est représenté par une planète martienne, peut-être qui venait de Mars, hein, on ne sait pas. On ne sait pas d'où viennent les Anunnaki, finalement. On sait qu'ils viennent de l'espace. On sait qu'ils viennent d'une autre planète, d'une autre galaxie, mais laquelle? Ici, nous avons la grâce. Donc la grâce, ça représente aussi le divin, des êtres divins qui viennent du ciel, okay, qui sont ailés en plus. Donc on parle bien des Anunnaki. Ici, ils avaient un très très grand pouvoir sur la Terre. Ils étaient venus, comme je vous l'ai dit, ils avaient besoin d'esclaves parce que leur staff ne voulait pas travailler pour eux. Donc, ils ont créé des humains, puisque ceux qui suivent les capsules précédentes, nous avons eu des réponses à cette question. Alors, est-ce que les Anunnaki sont aussi appelés les Néphilim? Ici, nous avons justement deux races différentes. Alors, d'après cette carte, qui est une carte négative, ce serait un non. Et en plus, on voit très bien ici un lézard qui est piétiné par un oiseau, par un aigle, par quelque chose de ailé. Donc, la réponse, ce serait plutôt non. Donc, les Anunnaki ne sont pas des Néphilim. D'accord. Alors, nous allons poser la question, est-ce que c'est les Anunnaki qui auraient peut-être créé, justement comme ils ont créé des humains, est-ce qu'ils auraient créé des Néphilim? Parce qu'ils avaient besoin déjà parce qu'ils avaient besoin d'être ailés pour se déplacer plus vite
et pour voyager plus vite, on va dire, de région en région et même de pays en pays. Donc, est-ce que les Anunnaki sont les créateurs des Néphilim? Alors, ouh, ça s'est disputé là. Alors, sont-ils les créateurs des Néphilim? Ben ici, nous avons l'élévation, donc c'est bien eux, encore une fois, qui ont construit les pyramides, hein, les Anunnaki, d'accord? Ici, il y a eu des disputes, du feu, des conflits, peut-être entre les deux frères, Enki et Enlil. Ici, nous avons les Pénates, donc ils avaient bien leur laboratoire, leur demeure sur Terre, pour les raisons dont je vous ai évoqué au début, hein. Ils avaient besoin d'or, ils avaient besoin certainement de pierres précieuses et d'autres métaux à rapporter dans leur vaisseau et à ramener sur leur planète. Ici, nous avons la trahison qui nous dit non, ce ne sont pas eux les créateurs des Néphilim, et que les Néphilim sont venus du ciel et eux aussi sont venus découvrir la Terre. D'accord, donc ils ont été envoyés du ciel. Et ça s'est très mal passé avec les Anunnaki. Alors, est-il possible que les Anunnaki ont quitté la Terre justement parce qu'il y a eu une punition divine? Parce que Dieu, qui est, je le dis et je le répète, le mot qu'on lui donne à cette énergie créatrice, je le dis souvent, c'est Dieu qui a créé toutes les planètes, toutes les étoiles, tout ce qui existe dans l'univers, dans le cosmos. Donc pour moi, c'est ça, Dieu. Dieu a créé le cosmos, a créé toutes les planètes et tous les êtres. Il les a créés, des êtres différents sur chaque planète. Et ça n'empêche pas que ces êtres-là ont trouvé le moyen de voyager, de visiter la Terre et d'autres planètes. Voilà pour ceux qui sont un petit peu embrouillés dans leur esprit et qui n'arrivent pas à comprendre comment c'est possible et de quoi on parle. Donc, est-ce qu'il y a eu une bataille entre les Anunnaki et une autre race venue d'une autre planète et qui se soit battue? Est-ce que c'est ça? Et c'est ce qui a provoqué le déluge, ce qu'on appelle le déluge. Et d'après la Bible qu'on retrouve, la Bible d'Enoch qu'on a retrouvée dans une toute petite église en Éthiopie, eh bien dans cette Bible, on raconte justement l'histoire de Enlil et Enki. Et il y a eu une bataille. Et donc... Enki a voulu sauver des êtres humains, sa création, hein, contrairement à son frère. Et donc, il leur a demandé, justement, de construire un navire pour pouvoir survivre pendant le déluge et pendant que eux, ils se battaient entre eux, entre frères ou avec une autre race extraterrestre, peut-être, je ne sais pas. Je me rappelle plus trop de l'histoire parce que ça fait très longtemps que j'avais étudié ce cas. Donc, on va poser la question. Y a-t-il eu une guerre terrestre et spatiale, c'est-à-dire au-dessus de la Terre, entre les Anunnaki et une autre race venue d'une autre planète? Allez, c'est parti. Y a-t-il eu une guerre entre deux races extraterrestres, les Anunnaki contre une autre race extraterrestre, les Néphilim par exemple? Alors ici nous avons la renommée, donc il y a bien eu plusieurs, on va dire plusieurs participants, plusieurs races qui ont reçu un appel. Ok, on fait sonner la trompette. Nous sommes en guerre. Et la bête est là. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un, ça? Ici, ben, nous avons justement, ils ont combattu des êtres
méchants, les Anunnaki. Donc on nous dit bien qu'il y a eu un appel avec un regroupement de plusieurs régions ou plusieurs extraterrestres du même bord qui ont combattu d'autres extraterrestres à l'opposé, qui étaient opposés à eux. Ici, ça a provoqué un changement. Alors, on voit la Lune et le Soleil qui... Il y a eu des grands changements climatiques, puisqu'on voit aussi les nuages, on voit les étoiles, on voit que ça peut être duré un bon moment, plusieurs lunes, plusieurs... Ou le temps avec le Soleil qui fait plusieurs fois le tour de la Terre, ou je ne sais quoi, ok. Alors, y a-t-il eu une bataille? Ici, nous avons la clé de la destinée, ce qui veut dire que, effectivement, c'était leur destin. Mais le destin de quoi? Le destin et la fatalité, ce qui a provoqué leur départ, on va dire, un changement, puisque le changement est aussi en rapport avec quelque chose de négatif, avec la fin d'un cycle, la fin d'une ère, la fin aussi d'un règne. Donc les cartes nous disent qu'effectivement, il y a eu une guerre entre les Anunnaki et une autre race qui a fait que, eh bien, ça a créé leur départ, leur fin, et que c'était leur destinée. D'accord? Alors nous allons poser la question, est-ce que ça a provoqué ce qu'on appelle le déluge? Est-ce que ça a provoqué le déluge sur Terre? Est-ce que ça a provoqué le déluge sur Terre? Les tremblements de terre, les tsunamis, les coulées de boue, les incendies, les volcans qui se réveillent? Est-ce que ça a provoqué justement toutes ces inondations, tout ce déluge, leur bataille entre ces races? Est-ce que ça a provoqué le déluge? Allez, c'est parti. Est-ce que ça a provoqué le déluge? Est-ce que cette bataille entre deux races extraterrestres ou plusieurs a provoqué le déluge sur Terre? Ici, nous avons la grâce. Encore une fois, on nous dit que c'est des êtres qui étaient descendus du ciel et qui étaient venus sur Terre. Ici, on nous dit qu'il y a eu des sommations, ils ont échangé entre eux, entre les deux races, ou plusieurs races. Ici, on nous dit qu'il y a eu un changement, quelque chose qui s'est produit, ok? Et puis ici, les ennemis, la guerre avec l'épée et avec la planète martienne. Encore une fois, on posera la question, est-ce qu'il venait de Mars? Puisqu'on sait que Mars, on nous dit que c'est la planète de la guerre. Et puis ici, on va dire, ils ont encore une fois, ils se sont battus pour les plaisirs terrestres ou pour l'amour des plaisirs terrestres et peut-être même notamment des femmes humaines. Ok, donc ils se sont battus. Alors, on va poser la question. Il y a eu donc un déluge. On sait que c'est ça, que c'était à cause de la bataille qu'il y a eu un déluge. On va poser la question, est-ce qu'ils se sont battus avec une race reptilienne? Est-ce que les Anunnaki se sont battus avec une race reptilienne? Parce que je précise, étant donné que j'ai fait des sorties astrales depuis plusieurs années et que j'ai rencontré plusieurs extraterrestres et races extraterrestres, oui, je sais, ça paraît fou, mais vous verrez qu'un jour, peut-être pas notre génération, mais les suivantes, comprendront que j'avais raison et que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et encore moins seuls sur la planète Terre. Donc, est-ce que les Anunnaki ont combattu des reptiliens négatifs? On va les appeler comme ça parce qu'il y a les négatifs, les positifs, les neutres. Est-ce que les Anunnaki ont combattu des reptiliens
et que c'est les reptiliens qui ont gagné puisque les Anunnaki sont partis. Alors, encore une fois, nous avons les bâtisseurs des pyramides, donc les Anunnaki, qui ont toujours un rapport avec le soleil. Ici, nous avons la naissance de quelque chose, une nouvelle page, un début. Alors, ont-ils combattu des reptiliens? Ici, nous avons la table. La table, eh bien, c'était, on va dire, que ça, c'était ce qui se passait sur Terre, c'est qu'il faisait bon vivre, on festoyait, on mangeait bien, il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de comment pourrais-je dire, de réception, de joie, de presque de fête, hein. C'était la fête. Alors, est-ce qu'ils ont combattu des reptiliens? Ben alors là, on ne peut pas avoir mieux comme réponse. Effectivement, les Anunnaki, qui étaient ailés, ont combattu des reptiliens. Mais comme la carte est négative, et je dirais presque, ils les ont combattus, mais ils ont perdu. Ok? Ben oui, la réponse est positive. Ils ont combattu des reptiliens et c'est les Anunnaki venaient d'une étoile, d'une autre étoile, d'une autre planète. Ici, nous avons Jupiter. Donc, est-ce que c'est les reptiliens qui ont gagné? Allez, hein, on va pousser jusque-là. Est-ce que les reptiliens ont gagné la bataille contre les Anunnaki? Est-ce que les reptiliens ont gagné la bataille contre les Anunnaki? Et c'est pour ça, ça expliquerait le départ des Anunnaki et le grand déluge et ces grandes catastrophes, parce que vous vous doutez bien que s'ils ont construit des pyramides, des temples, c'est qu'ils avaient des outils et des choses, des machines extrêmement perfectionnées, comme par exemple hein, des lasers géants pour découper des pierres, pour sculpter aussi des pierres avec une telle précision. Donc ils avaient forcément aussi des armes de guerre très très puissantes qui auraient provoqué le déluge. Et on sait que ça a été provoqué à cause de la bataille. Donc nous allons poser la question, est-ce que les reptiliens ont gagné la guerre contre les Anunnaki? Et du coup, ben les survivants humains, on était bien dans la merde. Si on est resté avec les reptiliens négatifs, c'est pour ça que je dis souvent que nous sommes sur une planète démoniaque. Et que c'est pas pour rien qu'on nous dit que Saint-Georges a tué le dragon, le serpent, le démon. L'archange Michael l'a terrassé et la Vierge Marie l'a écrasé. Allez! Est-ce que les reptiliens ont gagné la guerre contre les Anunnaki? L'héritage des reptiliens, donc ils ont tout un héritage derrière eux. Ont-ils, ben voilà, ils sont battus avec les Anunnaki. En face, c'est les Anunnaki, puisque là, on pose la question concernant les reptiliens. Ici, ben, ça crée l'infortune. Et il y a forcément, à chaque guerre, il y a un qui gagne et l'autre qui perd. Hein. Donc, les Anunnaki, ça a créé leur infortune, leur perte. La trahison, ce qui fait qu'ils les ont eus par la ruse. Ils les ont eus par la ruse, parce que cette carte-là, c'est presque la carte du diable dans le tarot. Ce qui signifie qu'ils ont dû les approcher d'une manière, on va dire, qui paraissait amicale, avec des beaux cadeaux en offrande. Et puis, comme ils étaient belliqueux, eh bien, ils ont réussi à trahir et à s'emparer de ce qu'ont créé les Anunnaki, c'est-à-dire les humains, l'homme et la femme, le couple. Ils voulaient s'emparer des humains, en fait. Ils voulaient s'emparer de la race humaine, les reptiliens. Et oui, c'est ça en fait. Parce que bon, là c'est un chat. Mais le chat méchant, c'est un chat, un diable. Le diable avec les cornes, avec ce qu'on appelle les diables. Mais les reptiliens, ils ont des écailles. Ils ont des queues. Ils sont très belliqueux pour certains. Donc, est-ce que les reptiliens les ont eus à la ruse? Pour s'emparer des humains,
Il savait quelque chose. Il savait quelque chose concernant les étoiles, concernant les humains. Et on veut encore m'empêcher de parler. Bah, décidément, ce qui était sur Terre les intéressait, d'accord. Est-ce que les reptiliens ont voulu s'emparer des humains? Bah oui. En fait, ils voulaient s'emparer des humains. Ils voulaient contrôler les humains. Par rapport à l'amour que les humains éprouvaient les uns pour les autres. Ils veulent voler. Ils ont voulu voler le sentiment d'amour. Peut-être pour se l'approprier, parce que c'est ce qui leur manquait aux reptiliens négatifs. D'accord, bon, eh bien nous allons poser la question maintenant. Est-ce que des humains ont survécu à ce grand déluge? Est-ce que des humains, pardon, est-ce que des humains ont survécu à cette grande bataille et à ce grand déluge? Est-ce que des humains ont survécu à cette grande bataille et à ce grand déluge? Allez, c'est parti. Alors ici, nous avons des nouvelles. Nous avons un oiseau qui nous donnera un message. Ok. Donc les messagers, c'est ceux qui sont restés en vie, qui ont continué à propager l'histoire de la création. Ok. En face, c'est ceux qui ont perdu le combat. Donc les Anunnaki. Qui sont partis. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont laissé, ils ont dû laisser leurs engins de création en partant, puisque s'il y a eu une guerre, ils étaient en train de se faire la guerre, donc peut-être qu'ils ont laissé des technologies. D'ailleurs, c'est même certain qu'ils ont laissé des technologies qu'ils n'ont pas pu récupérer et que pour sauver leur peau, ils sont remontés dans leur vaisseau et ils sont partis. Ils sont partis bredouille. Voilà, là il y a eu les explosions, la bataille. Donc on sait que les humains ont connu le déluge et qui sont les porteurs des messages du passé. Ok. Ici, la réponse est positive. Oui, il y a bien eu des survivants. Et c'est même des personnes, on va dire, des humains qui étaient très proches des Anunnaki, qui avaient un certain pouvoir, hein, puisqu'ils étaient couronnés, et qu'ils avaient un certain pouvoir sur les autres êtres humains, parce que, comme je le disais en commentaire, pas plus tard qu'avant-hier, je crois, j'ai répondu à une question par commentaire, et je disais, mais rien n'a vraiment changé, puisque... Ceux qui ont gardé ces technologies et ce savoir, les Anunnaki, d'après toujours le livre d'Enoch, avaient demandé à ce que ce soit gardé secret par une poignée d'humains qui pouvaient contrôler leurs esclaves, comme eux contrôlaient justement les humains, pour que lorsqu'ils étaient venus pour extraire de l'or, parce que leur staff, à eux, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas travailler comme ça. Et eux, ils étaient venus dans les vaisseaux en tant que peut-être chercheurs ou touristes très haut placés. Hein. Et ils se sont dit, mais vous ne voulez tout de même pas qu'on fasse le boulot à votre place, juste parce que vous pilotez le vaisseau et pas nous. Donc, ils ont créé des humains pour faire les tâches que les autres ne voulaient pas faire. Donc, les humains, on sait qu'ils étaient porteurs de connaissances de l'histoire avant le déluge. Que c'était en rapport avec les Anunnaki qui ont perdu la bataille, perdu le combat, la guerre. Il y a eu le déluge, des explosions. On sait maintenant avec certitude qu'il y a eu des survivants, qui étaient peut-être même très haut placés et couronnés par les Anunnaki juste avant de partir.
Et la synthèse, eh bien la synthèse, c'est pour avoir la connaissance et garder la connaissance et la garder secrètement, bien évidemment, pour pouvoir continuer à extraire peut-être de l'or, pour que si un jour les Anunnaki repassent par là, eh bien leurs potes couronnés leur filent un petit peu de ce qu'ils ont besoin en échange d'une technologie avancée. Voilà les petits loups, je pense que là la capsule elle doit être hyper longue. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions. Et puis merci pour les pouces, les likes, les partages. Merci pour les encouragements. Merci aussi pour les nouveaux venus qui s'abonnent. Activez la petite cloche. Et comme ça, je vous donne rendez-vous tous les matins pour passer un petit moment sympa entre nous à répondre à des questions du passé qu'on n'arrive toujours pas à élucider et dont nous n'avons que des on-dit, des écrits, mais jamais de certitude. Donc on essaye de jouer au Sherlock Holmes. Voilà. Gros bisous.